practical inspiration to all. Working hard every day, never to fall. From bottom to the top, Tom Psycho never stops. Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Du coup les gars, nous sommes repartis, nous sommes à la Juve. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, dernière saison à Leipzig, on s'est fait sortir par la Juve d'ailleurs de la Ligue des Champions. Et ce qui fait que maintenant, on n'avait plus qu'un seul. Le défi c'était d'être meilleur buteur, on a réussi à être meilleur buteur de la Bundesliga, donc la Bundesliga c'est bon, on n'y retournera pas. Et maintenant nous sommes en Italie, à la Juve qui s'est positionnée, ça fait déjà deux fois qu'ils viennent, ils étaient venus quand on était à Bordeaux et on avait refusé, on a été un peu déçus et là ils sont revenus avec une belle proposition, 190 000 euros par semaine, cappuccino gratuit à la machine à café, donc ça, ça a pesé dans la balance. Et nous sommes là, dans le nouveau club, on n'a rien regardé encore. On n'a rien regardé du tout. Et donc l'objectif, gagner le championnat et être meilleur buteur. Et pourquoi pas, là, peut-être Ligue des Champions. Bon, voilà, on a peut-être un effectif qui pourrait le faire. Du coup, on voulait aller voir déjà l'accueil équipe et voir un petit peu les joueurs que nous avons à chaque poste. Alors en buteur, on sera en compétition avec, oh là là, Vlahovic à 91 de général. Ok, on a aussi Moreno et nous-mêmes, qui sont les trois, je pense. Beto aussi qui peut être sympa. Daka est là. Ok, très sympa. Au niveau du milieu droit, on n'a pas grand-chose. Ah, tu sais quoi, on va mettre Non, par poste, c'est cool. Jean-Mario, Correa, ok, Koulibaly, Perez, Rodriguez, c'était en nom des joueurs. En milieu centre, il y a Paul qui est là, 84 de général. Et on va jouer avec Paul et Rabiot, ça me fait plaisir. On a aussi un Rovella, un petit joueur italien qu'on ne connaît pas, moi je ne connais pas en tout cas. Kokchou, aussi qui nous a fait mal, hein, on se souvient de lui. Chiesa qui est là à gauche, très très bon aussi. Belle équipe. En milieu défensif, Zakaria qui est capitaine. Oh, ça me fait plaisir en vrai. On pourrait partir en sélection ensemble, toi et moi, main dans la main, prendre le même jet privé, mais malheureusement, il n'y a pas la Suisse. Défenseur droit, on a que Di Pardo. Ok, en défense. Oh, par contre, la défense, attention. Ah, ok. Arroge, ok. Non, c'est bon. C'est bon. Team, ok, ça va. Très bonne défense centrale. Je pense qu'on joue avec trois défenseurs. En goal, on a Chesney toujours. Et on a Livakovic aussi, hein, qui fait sa place, qui va peut-être prendre la place, peut-être. Ok, on a quand même un bon 11. On a un bon 11. En attaque, je remonte vite fait. On va jouer avec le monsieur en forme du moment. Le monsieur Vlahovic. Pas mal, hein. 25 ans, 91 de général. On est sur les mêmes bases de lui, hein. Donc, mais son contrat se termine bientôt, hein. Est-ce que tout d'un coup, voilà. Plutôt pas mal. Ok, l'équipe est vraiment très très belle. Au niveau maintenant de la saison, ça on s'en fout. Ça, on peut pas voir grand chose, hein, au niveau du calendrier, parce que ben le calendrier n'est pas encore bien sorti. Je pense que les groupes de la Ligue des Champions ne sont pas faits. Voilà, la coupe, ok, ouais, ok. Donc pour l'instant, rien de bien intéressant. Vraiment, comment c'est parce que tu fais faire des carrières sachant ce mode pourri. Il est pas pourri, fut, mais il est compliqué, quoi. Mais merci en tout cas pour ton message, frérot. Merci beaucoup et merci pour ton sub. Ok. Bah écoutez, je crois que de toute façon, là, on est chaud, hein. Nous, on est chaud, on est content d'être là. On va faire un petit entraînement pour montrer à tout le monde qu'on est sérieux. Et puis let's go. Le montant du transfert, c'est ça que vous vouliez voir. Oui, alors ça, faut me dire où c'est que je dois aller voir parce que j'avoue que je ne sais pas. On va aller voir ça. Quand vous m'aurez transmis l'info, je vous montre avec plaisir. Avec plaisir. Le montant. Oh, on a 8 points de compétence, les gars. Bon, on va prendre un général, là. La coupe de cheveux aussi. Et... ouais. Dans la presse. Ah, c'est dans les nouveautés, là. Super info. Juventus sort 307 millions. Les rumeurs allaient bon train entre les supporters des deux clubs et maintenant la chose est confirmée. Les dirigeants de la Juventus ont fait une offre officielle de l'ordre de 307 millions concernant Tom. Pour le moment, on ignore encore si la proposition a été acceptée. Le joueur de 20 ans cherchera à faire bonne impression dans son club. Suite à son récent transfert, Allegri a proposé à son buteur une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Lorsqu'Allegri m'a approché, je n'ai pas pu lui dire non. Ce n'est pas tous les jours qu'on en a la chance de pouvoir côtoyer de tels joueurs, a déclaré Psycho. Ouais, j'avoue, j'adore Zakaria. Ok, nice. Psycho a signé. Joueur de la compétition, c'était qui? Coupe. Ah, j'étais joueur de la compétition de la coupe d'ailleurs. Ok, nickel.
Les autres, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les autres montants sont pas terribles, donc pas grand-chose de fou au niveau des transferts. Victoire face au rival France, le choc Italie-France n'a pas déçu, le vainqueur Italie s'est imposé 2-0. Ah, vous avez perdu, sachez-le. On a le numéro 17, c'est bon. Et puis, on avait dit quoi encore? La coupe de cheveux, bien évidemment. Bien évidemment, bah oui. Nouveau club, nouvelle coupe de cheveux, les gars. Nouvelle saison, nouvelle coupe de cheveux. Alors, on va jouer en blanc et noir, quoi. Donc bon, dommage. Les couleurs sont un peu les mêmes que les autres, mais on va avoir les cheveux qui ont poussé un peu. On va avoir les cheveux qui ont poussé un peu. Milon, on va voir ce qu'il propose. Oh, ça, c'est... il faut qu'on s'adapte à l'Italie. Il faut qu'on... Qu'est-ce qui fait très italien? Oh. On se refait des petites tresses italiennes là. C'est pas italien du tout. Hein. C'est pas italien du tout. Une coupe à la Pirlo. Ah ouais. Ou Iroquois là, El Sharawi. Oh. Iroquois là, El Sharawi, les gars. Ah, la couleur, on va être obligé de rester. Tu sais quoi, en or comme ça, tu vois. Qui est la plus grosse légende de la Juve? Ah, Pirlo, c'est pas mal. Après, Pirlo, c'est Milan. Non, c'est terrible. Mais vous avez des goûts de chiottes, les gars. Vous connaissez pas la mode. C'est ça votre problème. Vous jugez, mais vous connaissez pas la mode. Donc au bout d'un moment, c'est compliqué de discuter mode avec des gens qui connaissent pas, tu vois. C'est comme quand je parle de fut, quoi. À chaque fois, je parle avec vous, mais au final, Zidane. Ah. Ouais, mais à 20 ans, avoir une calvitie, c'est relou, quoi. Vas-y, Pirlo, c'est cheveux propres, soyeux, pas forcément attachés, on laisse la vie nous mener, quoi. Pirlo, ça c'est Pirlo. Ça c'est Pirlo. En fait, là je suis Pirlo, là. Del Piero, ah ouais, les cheveux mignons. Del Piero, c'est ça. Ça c'est et Del Piero et à gauche Nedved. Ça c'est Nedved avec mais après bon. Après faudrait quand même trouver Del Piero, quoi, parce que au final on est buteur, hein. Qu'est-ce qui fait Del Piero? Del Piero? Attends. On a besoin de la VAR d'internet. Del Piero. Del Piero, c'était quoi dans les années Del Piero, c'est quelle année sa meilleure? Icône de la Juve de 93 à 2012, quoi. Del Piero 2000. Les années 2000, hein. Ouais, c'est ça, c'est le Del Piero Goatless. Attendez, je vais vous montrer. Ah non, je peux pas parce que j'ai pas préparé la scène. Oh là là, attendez. Capture d'écran. Non, pas capture d'écran, si, capture d'écran. Capture PC droite. Ok, c'est ça, hein. C'est ça. On est d'accord? On cherche ça. Ok, les gars? Et un berbe. Ou petite barbe de 3 jours, quoi. Mais je pense que... Là, on est pas mal, hein. Là, on est sur un truc. Oh. Là, on est comme sur un truc, hein. Oh! Non, pas assez de cheveux. Non. Oh, yeah. Ah, je crois que c'était ça, les gars, hein. Trop soyeux. Je crois qu'on est là-dessus, les gars. Je crois qu'on est là-dessus. On est là-dessus avec la pilosité barbe de 3 jours. On est là-dessus. Hein. On est là-dessus, les gars. Même plus ça, quoi.
Pas dans mi-long. Ah, les cheveux mi-long peut-être. Après, on veut pas être d'être Pierrot, mais bon, voilà. Ah, mi-long, c'est pas assez, les gars. Hein. Je maintiens. Hein. Mi-long, c'est vraiment pas assez. Hein. C'est vraiment long. Hein. Non. Non, non, ça va être long, hein, les gars. En haut, un mi-long. Y'a rien qui fait vraiment office de. Non, non, c'est pas... Non. Éventuellement ça, et encore, quoi. Non, non, je pense que ça va être cheveux longs. Ça, on avait dit, c'est Nedved. Ça va être ça, hein. Ah, vraiment, c'est ça, les gars. C'est ça. Par contre, ouais, la barbe, ça me... J'aime pas trop, mais... Après, voilà, hein. Y'a pas de barbe, y'a pas de barbe. On est une comme ça, mais... Non, non. Non, on va respecter. Vas-y, on va se raser, on est en Italie. Voilà, comme ça. La barbe pas assez voyante. Non, ça va être comme ça, les gars. Ok. On est prêt pour notre saison, les petits potes. Du coup, pédabilabou, papi, papou, on a des petits points à mettre. Déjà, l'activité. Retrouver l'ancien coéquipier. Ah ouais? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Nouvelle arrivée. Virtuose, 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 virtuose. Et du coup, on va mettre nos petits points qu'on a reçus. Dans mon pro, progression joueur, on a 8 points, les gars. Hein. 8 points à mettre, là, c'est cool. Alors, du coup, on se souvient que tir, bon, on est plutôt satisfait de tout ce qu'on a. Hein. On veut pas grand-chose de plus. Finition, on n'a pas besoin. Voler, on n'a pas besoin. Voler, on pourrait augmenter la volée, au final. Mais précision de tête, on n'a pas besoin. Puissance de frappe. On peut mettre peut-être... Puissance de tir. Penalty, on s'en fout un peu parce qu'on l'a rarement, donc on veut pas forcément augmenter ça. Après, les volées, peut-être. Peut-être les volées. Là, franchement, on est solide. Et je pense que dribble, on peut pas augmenter l'agilité et tout, on est au max. Le placement offensif, on s'en fout un peu. Enfin, quoique, c'est important pour la note générale, peut-être. Mais ça m'embête de mettre. Hein. Peut-être la passe. Ouais, la passe, on est éclaté. Après, on n'a pas besoin de passe, en vrai, mais... Oh, yeah. Physique. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer en physique? Détente, agressivité, force. Pas la force, hein. Le gros 5 points en force... Vas-y, tu sais quoi, on va se mettre de la force. Les poumons, on s'en fout. Vas-y, on va se mettre comme ça. On a 88 de général, les gars. On a 88. Merci Grégos pour le sub. Ok. Et on y va, les gars. On y va, on y va, on y va. On va faire les entraînements, bien sûr. Parce que là en plus, je suis titulaire directement, donc ça fait plaisir. J'ai vu que la première ligue a annoncé l'arrivée de Rio Ferdinand au sein de PL Hall of Fame. Ah, nice. Bon, c'est normal. Enfin, les petits entraînements comme d'hab, les potes. Histoire de renforcer notre place de titulaire, bien évidemment. Et on va commencer notre premier match directement en championnat. Et ça, ça fait plaisir. Oh. Livakovic. Real Sociedad. Très bien, on s'en fout. Du coup, on récupère ici des petites tunasses. Parfait. De toute façon, on aimerait avoir le 5 millions là pour faire le gros investissement, voir ce que ça donne. On peut gagner 1 million direct, on est content. Hein. Nous, on veut des tunas. Hein. Est-ce qu'on a des investissements à faire? Faibles, voilà. On va faire les faibles, encore une fois, sans prendre de risques. Et une décision à prendre. Augmentation. Il faut 89 de général pour... Waouh, l'augmentation, elle est énorme. Il faut 89 de général. Attendez. Je suis désolé. Il y a peut-être un monde où je peux enlever un truc en physique parce qu'on s'en fout et puis prendre le général. Hein. C'était quoi qu'on a mis la force, hein? Si on avait la force... Et qu'on... Vas-y, c'est juste pour récupérer le général, en fait. La volée, je pense pas que ça va me donner beaucoup de choses. Si je mets un peu plus en finition...
si je mets des points là-dedans, là-dedans, je sais pas, 89 là. Donne-moi ma thune, ma thune. Hello, ma thune. 250 000 euros, let's go. Oh, c'est quoi, on va rester comme ça. À tout moment, c'est bon. Hein. Change de titre, c'est vrai. Mode carrière. Oh, yeah. Boom. Merci beaucoup pour le sub, Freezer. Allez, c'est parti, les gars. Notre premier match avec la Juve. Alors, Vlahovic, moi, Chiesa, João Mario, Pogba, Kocu, Zakaria en capitaine. Ouais, on joue à 3 défenseurs. Ok, let's go. Trop bien. Meilleur buteur et gagner le championnat. C'est nos objectifs, les gars. Voilà, c'est bien. Ah, on s'embrouille, oui, j'aime ça. Un but. Pogba qui prie, comme d'hab. Ok, c'est bon. Oh là là, c'est beau. Attends, un tour de cible de dribble, un tour de possession, vas-y, on va faire le dribble. Allez, let's go! Ils sont moches, ces maillots. Pardon. J'avoue, ils sont dégueulasses, les maillots, j'aime pas trop. Ah, ça fait plaisir. Petit nouveau défi ici. Et Paul qui récupère. Ah, ah ouais. Ah ouais, ça joue. Bienvenuto! Un truc comme ça. Et oui, les gars! Au signe direct, nous! Oh là, les gars, ça joue, hein! Et là, regarde, hop, hop! Le petit crochet. Oh, ça joue, hein! Ça joue! Tu peux choisir ton numéro de maillot. Au début de la carrière, ouais, tu mets le numéro que tu veux. Après, je sais pas si tu le donnes direct ou pas. Nous, on l'a eu très vite. Et à chaque fois qu'on a changé de club, on l'a eu en tout cas. Donc j'ai pas eu à le changer moi-même, quoi. Rien à la défense. Ouais, t'as raison, je devais la remettre à Chiesa. Ouais, j'avoue. C'est pas Chiesa, c'est Vlahovic, je crois. Bien. Allez. Bien. Je te l'offre, Paul. Viens me faire un câlin. Va pas faire des dabs, viens me faire un câlin. Non, je lui offre là en vrai. Ça, c'est cadeau. Hein. Ah non, mais voilà, on leur met en confiance. Tu vois, les blessures. Pourquoi les capitaines? Oh non, je voulais Zakaria capitaine, moi. Non. Dommage, je vais préférer Zakaria. D'ailleurs, j'espère que je suis tireur de coup franc. Faudra voir si on a des coups francs. En tout cas, on commence bien. On montre qu'on a envie. Hein. Une petite passe D, un petit but premier match là. J'aime ça.
Oh là 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 là, mais t'as les ouvertures qu'ils nous font et tout. Non mais c'est, attends, c'est autre chose en vrai. Là on sent encore on sent encore la différence hein, de gameplay. Déjà entre Bordeaux et Leipzig, on avait dit, ah oui, oui, d'accord, c'est ça quand tu joues dans un club qui sait faire des passes. Mais là, frérot, c'est impressionnant. Hein. Je vais vous faire un petit centre. Mais... On s'est battu. Hein. Ouais non mais t'inquiète, hein, j'ai une super note au coup franc, mais dans mon dernier club il y avait sûrement un mec qui en avait une meilleure parce que on avait, je crois que nous on a 94-95 en précision coup franc. Mais ça avait pas suffi. On s'est battu. Hein. Allez, on se focus. Bien, dommage. Bien, gardien. Bel arrêt. J'ai pas vu, mais bel arrêt. Allez, on se positionne là pour les contre-attaques, tu connais. Bien battu, ça encore. Paul. On a essayé. Les entraînements, tu mets les coups francs? Bah de toute façon, je peux pas avoir beaucoup plus de notes, même avec les entraînements, non? Les entraînements, ça va pas m'augmenter ma note de coups francs. Ouais, d'accord. Je crois qu'en plus, oui, j'en ai... toute possession, ouais, la possession, on l'a pas, quoi. Ah, mais ça, c'est pas ma faute, la possession, en vrai. Je peux pas faire grand-chose, quoi. Paul. Oula. Ok, range ça va. Oh, ce qui nous sort là. Oh là 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 là. Je vais essayer d'avoir une main, c'est pour ça que j'ai levé la balle. Pouvoir avoir un coup franc, voir. Fiorentina, Rodri but. Ah, Rodri, il avait Fiorentina, non? Attention. Tranquille. 2-0, c'est bien, mais on n'est pas à l'abri, quoi. Dommage, non, les belles choses comme ça, faut. Oh là, faut les laisser rentrer, quoi. Waouh. Nick. On se bat. Ah, j'ai pas pu faire le crochet. On ira vérifier, mais je crois qu'en plus j'ai les entraînements coup francs déjà activés, parce que c'est ce qui donne le pas mal d'XP. Pas moyen celui-là est pour moi. Moi oui, il est pour moi. Bonjour Turin, comment allez-vous? Accélération. Et bah, ping. Premier changement. C'est pas nous. Et ça c'est parfait. Thank you.
on n'encaisse pas, faut pas encaisser. Bien. Au moins on a Chesney. Parce que nous on avait perdu Robert 87000 en fin de saison hein, à Leipzig. Du coup c'est vrai que un gros gardien ça peut être utile hein. Bien. Ouais, c'est passé, c'était pour moi. Oh là là, c'était bien, bien vu. Non, c'était bien vu en vrai. Que j'avais pas mis encore une seule balle piquée dans ma carrière et je voulais mettre une balle piquée. Bon bah voilà, ça m'apprendra. Sort de l'appel. Oui, le triplé pour notre première sortie avec notre nouveau club. Elle est belle celle-là. Elle est belle. Ah, je me suis servi de l'appel là, je l'ai vu. Hop là, crochet. La fin de course. Waouh, on commence vraiment à devenir très très dangereux. Hein. On commence vraiment à devenir dangereux les gars. Ah, c'est Vlahovic qui sort et c'est même pas moi qui sort. Hein. Il aurait pu me sortir sur un triplé quand même. Magnifique. Ah, ça joue bien. Après, bon. Vous allez me dire, voilà, on verra contre les grosses équipes, mais. Là, ça joue bien quand même. Une passe des 3 buts. Premier match. Oh là là, mais comment tu veux que ça se passe moins bien? Incroyable. Incroyable. Oh, la note. 9,4. C'est grâce à la coupe de cheveux. Bah oui, bah c'est pour ça qu'on la travaille. Hein. Magnifique. Quel début incroyable là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors tu m'as dit entraînement coup franc. Coup de pied arrêté. Ouais, j'ai déjà. Qu'est-ce qu'on a en activité? Un entraîneur décevant. Déjà? Mais non. Nous, on l'aime bien, notre entraîneur. Il est cool. Allez, continuons. Voilà. Voilà, deuxième match championnat, on a déjà un vrai test, quoi. C'était mon premier match. Voilà. Déjà, gros, gros clash. Juve Inter. Deuxième match. Alors déjà, là, tu peux... Là, tu peux t'offrir des supporters dans la poche, hein. En vrai, là, il y a moyen. Hein. Allez. Correa, Jota, Gnabry, Pino, Brozovic, Neves, Barella, Botman, Marquinhos, c'est là, Savic, Onana. Ok, let's go. C'est parti contre l'Inter. Et là, c'est mon premier match à domicile. Donc, il y a chose importante. Gros match. Dans le championnat italien, Juve Inter. Et déjà ce stade où j'y suis allé, ça fait plaisir. Et en plus, premier match à domicile. Premier match à domicile, les gars. Allez. De tir cadré, objectif 4. Ouais, c'est pas mal ça.
C'est le cadre que j'aime bien. En plus il pleut, j'aime bien quand il pleut. Allez, c'est parti. Ok, on joue à deux, donc on va se mettre là. Ah ouais, t'as vu la passe de Pogba? Ça, c'est le genre de passe, avant, je pouvais pas les demander. Hein. Là, avec la qualité des joueurs qu'on a au milieu de terrain, je peux les demander, ces profondeurs-là. Hein. C'est intéressant. Oh. J'espère qu'il y a une petite faute. Oh, putain, Marquis, bien joué. Attention. Bien. Super, super, super. J'ai failli être le renard là. Moi j'avais armé une volée. C'était pas loin. Pas bonne la frappe, elle est pas bonne. Je vais viser la lucarne de gauche. J'ai été mauvais là. C'est une faute, j'avoue. Et d'ici, c'est Paris. Ouais, ce que j'entendais aussi, je me disais que c'est un peu bizarre. Après, à Marquinhos, c'est pour ça. Ils m'ont suivi jusque-là. Ouais non, ça ici c'est Paris. Putain mais frappe là-haut. Non, par contre ça va être relou si ça dit ici c'est Paris devant toute la saison. Pour mentir. Fait quoi là? Bon, mi-temps 0-0, compliqué. Compliqué, bien plus compliqué que le premier match. Normal, c'est l'Inter. C'est les matchs pas faciles. Il faut qu'on fasse basculer tout ça. Allez, on peut le faire. On peut le faire, très clairement. On a même pas deux frappes. Enfin, j'ai des frappes, mais j'ai pas cadré quoi.
suis pas récompensé. Attention. Dessus, 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 dessus. Voilà. Allez, Palacios à Manchester City. Ok. Pas facile à passer, hein. Tu vois maintenant que t'as la Louvre, 2 semaines. Les bons choix. Hein. C'est pas les bons choix là dans nos passes. Hein. On n'est pas serein. Risque d'être remplacé. Ben ouais, si tu veux, mais c'est moi qui vais faire basculer le match. C'est toi qui vois. On a un Rojo qui a signé apparemment. J'avais pas vu. Et ben 1-0. Allez, c'est pas grave. Serein sur ce match. C'est bizarre hein, parce que en vrai y a pas tellement d'automatisme. C'est pas si bizarre. Oh, c'est pas ce qu'il y a. Ouais, Marquis, il est chaud, hein. Il est chaud. Quatre-vingtième. Ouais, tu vois, les passes qui sont faites, elles sont vraiment pas terribles. Quoi. Par rapport au premier match, ça n'a rien à voir. Mais allez, faut au moins revenir au score, ce serait bien. Ouais, je sors. Ok, bon bah mauvais match pour notre première ici. On perd, waouh. Il nous sort, on perd 3-0. Aïe. Ok. Bon, écoutez, c'est le début de saison, on se fait pas de soucis, tout tranquille. On va faire le petit entraînement ici. Aïe. Défaite dans le derby. Ouais, bah écoutez, ça arrive, hein. Même au meilleur apparemment. Alors, vas-y, tu sais quoi, on va aller dans le calendrier puis avancer la fin du mercato. Oh, ça a été tiré. Non, j'ai vu un truc. Ah non, Salzbourg, ça va. Ok, nickel. C'est quoi les groupes? On va les voir. On va les voir juste après ce match-là. Et on commencera avec des champions lors d'un prochain live. J'ai tout ça à faire. Mais j'ai masse décision. Moi je prends les thunes. Moi je prends clairement les thunes, hein. 50 000 par-ci, 50 000 par-là. Petite maison à la fin. Hein. De toute façon, on va tout faire en fait. Hein.
C'est mon anniversaire, c'est vrai. Ok, on a tout fait. Vas-y, on va jouer le match. Et après, on ira voir les groupes et tout. Pogba est parti ? Putain, j'ai même pas regardé. Bah parfait, s'il est parti, en vrai. J'étais sur la fin, hein. On ira voir de toute façon à la fin du mercato. Ça doit être arrivé maintenant, à la fin du mercato. On ira voir après notre effectif précis. Et aussi les groupes de Ligue des Champions. Trop tard. C'était trop lent, frérot. Internap s'enchaîne. Ouais, bah après. On a deux matchs compliqués, quoi. Inter, Naples. Et je pense, hein, des équipes qui peuvent jouer éventuellement le titre. Donc, du coup, ouais, c'est pas simple le début de saison. Après, voilà. Hein. Il faut aussi qu'on se mette un peu dedans. C'est la première saison. Je vous rappelle qu'on a deux objectifs, être champion et être meilleur buteur. On n'est pas pressé, on n'est pas obligé de le faire tout en une saison, donc tranquille quoi. On va voir. Hein. De toute façon, on aura plus d'infos sur ce qu'on joue précisément dans quelques semaines quoi. J'étais passé. Pourquoi je veux faire un crochet? J'étais passé. Ouais, on a fini meilleur buteur sur la deuxième saison avec Leipzig. Est-ce que ce format va devenir une série sur chaque fois? C'est possible. Après, faut voir parce que en fait, on peut faire des vidéos. Mais le problème, en fait, c'est que faire une vidéo condensée d'un live de 3-4 heures, c'est très très long. Alors que peut-être que faire des épisodes de 45 minutes non montés, ça peut le faire. Donc si ça passe et que les gens ils aiment bien, ouais, sans problème. Parce que au niveau du taux de travail qu'on aura, entre les deux modes carrière peut-être de l'année prochaine et puis Ultimate Team, ça jouera, tu vois. Il n'y aura que les vidéos Ultimate Team à monter. Mais à voir, parce que si les gens ils aiment... Oh putain. Si les gens ils aiment pas les faits vidéo non montés, du coup ça va être compliqué. Oh là 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 là. Les gars, c'est des débuts compliqués encore une fois. On a commencé sur les chapeaux de roue, triplé une passe et après depuis. Calme. Calmez-vous les gars. Ok, calmez-vous, voilà, calmez-vous les potes. On est là, voilà, on va partir à zéro, tranquille, quatrième but du championnat en 3 matchs, on prend, hein. Personnellement ça se passe bien, mais après faut des résultats quoi. Non mais ok, ça joue bien, rien à dire, Paqueta. Marrant. Hein. On dit Pogba est parti, mais il est toujours là, hein. Ah non, il est toujours là, Paul. C'est une rumeur peut-être. Oh la tête, dommage, on a jamais marqué de tête, la tête je crois.
générique au début. Ouais, normalement, ouais. Voilà, c'est dur. Hein. Bon. Ok. Nous, on marque notre but. Mais ça ne permet pas à notre équipe de faire un bon résultat, ce qui est dommage. Et franchement, alors autant le premier match, on a trouvé des espaces incroyables. Autant là, contre des équipes un petit peu plus solides, ça a été compliqué. Après, c'est logique aussi. Hein. C'est plutôt bien fait. On est sur une difficulté quand même pas facile. Donc, logique. Ah non! Comment il la sort? Là, il y a une envie de nuire au club quand même, ce scandale. Il joue bien. Bien, on joue. T'as Vlahovic, t'as 91 de général. Essaye de pas être en jeu, quoi. T'as une bonne note de placement, quoi. Pas mieux la mettre. Dommage. Dommage, dommage. Mieux le centre, sérieux. C'est dur, hein. Non. Oh là là. Ça joue le maintien. Vous êtes des salauds. Vous êtes des salauds. C'est un peu esselé quand même. Allez, allez, focus, 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 focus. Ballon perdu. Bah, pas réellement, j'ai une touche quand même. Ah putain! Ça, c'est pas facile, hein. Pourtant, on a vraiment un bel effectif, mais. Oh,
C'est dur. C'est dur. La passe de Paul, c'est un scandale. Ouais, il sort derrière, bah tu m'étonnes. Les gars. Bonjour. Waouh. Pas facile, hein. J'aurais essayé des sliders. Je sais même pas ce que c'est des sliders, les gars. Et moi, j'ai pas la version PC, donc c'est que PC. Je sais pas trop de quoi vous parlez. Aïe. Ah, c'est pas facile, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est le début de saison, tranquille, ça va le faire. Et là, Ligue des Champions. Du coup, on va aller voir les groupes, enfin notre groupe, déjà. Et ensuite, on arrêtera ici pour aujourd'hui, les potes. Et on commencera la Ligue des Champions, prochaine fois qu'on refera du mode carrière. Peut-être demain matin, d'ailleurs, c'est possible. Défaite dans le derby. Ah ouais. On va faire l'entraînement. Histoire de reprendre notre 11 de départ. On va aller jusqu'au match. Du coup, on a au niveau de notre groupe. Oh, on a l'OM, Juve, Borussia Dortmund, OM, Salzbourg. Ok, bah écoutez, c'est faisable, hein, vraiment. Je pense que voilà, c'est faisable. Maintenant, il va falloir, être solide. Les autres groupes, on va aller voir tous les groupes. Atlético, Galatasaray, Monaco, Liverpool, Club Brugge, Barcelone, Chelsea, Shakhtar, Porto, Napoli, Victoria, Plzen, Bayern Munich, Ajax, Inter, City, Copenhague, Real Madrid, Leverkusen, Celtic, Paris, Milan, Braga, notre groupe à nous, et Manchester United, RB Leipzig, qu'on a amené en Ligue des Champions, hein, Villarreal et PAOKFC. Ok, nice. Bah écoutez, on va de toute façon se quitter ici. On se captera de toute façon, normalement, demain. Je sais pas encore quel sera le programme. C'est suivant un peu ce qui se passe sur FIFA, tu connais. On verra bien, Ultimate Team ou pas. Et puis nous, on se capte demain, les potes. Et YouTube, bah voilà, j'espère que vous avez kiffé ces petits épisodes faits de 45 minutes. Vous en aurez plus, peut-être même des fois deux par jour, c'est possible. Moi, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. C'était Psycho. Bye tout le monde. Ciao, ciao les gars.